Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une revue d'une toile que j'ai beaucoup beaucoup aimé faire. C'est une toile qui me venait de la boutique Spell Queen avec laquelle j'étais en partenariat. Et donc cette boutique m'avait envoyé deux toiles. Alors une toute grande que je n'ai pas encore commencée et celle-ci. Donc si vous vous souvenez bien, c'était celle de l'éléphant avec le petit canard. Je vais vous rafficher une image ici. Et du coup, cette toile, je l'ai finie. J'ai même pas noté, tiens, j'ai pas pris mon cahier. Non. On est le combien? Je vous filme cette vidéo, nous sommes le 20 mai. J'ai fini cette toile il y a presque 15 jours, je dirais. Ouais. Et j'ai pas encore pris le temps de filmer la revue. Donc voilà, je veux ranger mes diamants parce que... Je vais vous expliquer après que je vais les garder. Et voilà, il fallait que je filme la revue. Alors, c'est pas là. Il y a des petits trucs qui restent accrochés parce qu'en fait, je l'avais mis à l'endroit. Et comme j'ai changé de table, elle est maintenant en bois brossé. Bah, du coup, quand on a les fonds doux, comme ça, des toiles, eh bien, ma table, elle accroche. Voilà, donc la toile, elle ne bougera plus une fois qu'elle est dans l'autre sens. Et du coup, elle a accroché des petits bouts de ce qu'il y avait sur la table. Donc oui, Spell Queen déjà, c'était une toile hein, hyper douce, dentelée sur les côtés, vous voyez. Je vous montre de plus près, voilà, les petits, la qualité de la toile. Elle est souple, mais elle est épaisse. Franchement, elle est de très très bonne qualité. Et donc là, c'était une 40 par 40. Et voilà le résultat. Donc elle est finie, je suis super super contente. Le rendu est magnifique. Donc on a bien le petit éléphant avec le petit canard hein, qui regarde ce que l'éléphant fait. Donc l'éléphant tient un pinceau et voilà, il y a une explosion de couleurs. Alors je vais essayer de vous monter un petit peu. Vous allez voir des sachets de diamants sur la droite parce que je suis en train de faire une autre toile. Voilà. Et comme c'est une toile avec des diamants spéciaux, voilà, bah vous voyez que j'ai étalé devant moi et... Je n'ai pas mis dans des piluliers. Alors, il est aussi 6h30. Hein, donc, la luminosité, elle n'est pas top. J'ai mis le spot. Mais comme le soleil commence à se coucher, voilà. Mais on va se débrouiller. Donc, déjà, la toile était pailletée. Je vous le rappelle aussi. Et voilà. Donc, les diamants, ils brillent à fond. Et alors, à la caméra, ça ne sort pas trop. Mais j'ai beaucoup d'AB. Déjà, toutes les étoiles, le centre, c'est du AB. Tout le vert ici c'est du AB, dans le bleu il y a plein de petites touches de AB, là aussi on avait 2, 4, 6, 8, 10 AB sur 27 couleurs. Donc franchement ça c'était trop bien et franchement le test est réussi. Hein. Je ne sais pas si vous allez les voir, ouais, si les verts là vous les voyez bien briller. Je vous montre les ronds, ils sont magnifiques, franchement. C'est pour ça que je vais garder les diamants. Je vais vous montrer tout à l'heure mes restes. Mais, ouais, elle est magnifique cette toile. Autant les diamants normaux que les diamants AB. Vous voyez comme il brille. Là, tout le brun brille à fond. L'éléphant aussi, lui qui n'a pas de AB. Hein. Donc voilà. Et en dessous, c'est comme ceci. Voilà. Donc le petit canard, par contre, il est entièrement en AB, sauf le orange. Voilà, donc vraiment la pose elle est... je me lasse pas hein, de regarder le rendu parce que la pose était hyper agréable et ben, le rendu se voit quoi, hein. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, donc je vous ai dit 27 couleurs dont 10 AB, donc c'est le point fort de chez Spell Queen, c'est que vous pouvez choisir vos toiles, déjà vous pouvez choisir la taille de la toile, vous pouvez choisir si vous la voulez en rond ou en carré, vous pouvez choisir si vous voulez des AB ou non, et vous avez tout de suite il me semble la mention du nombre de couleurs et du nombre d'AB qui est contenu dans chaque toile, donc ça vous permet de faire vos choix aisément. C'était fourni avec un super toolkit aussi, hein. On avait vraiment tout ce qu'il faut, vous avez un stylet offert à la première commande, je crois que les frais de port sont offerts à la première commande, et moi j'ai un petit code promo, si vous, en fait je suis en, c'est comme un lien d'affiliation, si vous passez par mon lien, moi j'ai une petite commission je crois, ou alors des points sur mon compte, je ne sais plus, un des deux.
Mais vous avez, je crois que c'est 15%. Donc, je vous l'affiche ici si ça vous intéresse. Je sais qu'une de mes petites abonnées, elle a pris cette toile. Ça l'avait vraiment. Elle lui avait vraiment plu pendant que j'étais en train de diamanter. Et je lui ai dit, bah, tu verras samedi. Je l'ai fini. Donc, tu la verras terminée. Donc, vraiment, si tu t'éclates autant que moi, vraiment, ça va être le top. Tu vas voir. Donc, voilà. Le toolkit, il était parfait. La toile est parfaite. Alors, je n'ai pas tester la pâte à fixe sur ses abbés. Quelqu'un m'avait demandé de le faire, mais je le ferai sur une prochaine toile. Si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est ma fille qui mange des chips à côté. J'ai posé uniquement avec leur stylet qui m'était offert. C'était celui-là. Voilà, j'ai diamanté qu'avec ça. Franchement, j'ai pas dû recharger beaucoup de fois la colle qui était fournie avec. Donc, c'était vraiment nickel. Les AB, alors avec la petite couche de nacre, c'est difficile hein, de prendre le stylet et la colle, donc moi je posais à la pince. Voilà, au moins c'était réglé. Et sur l'autre toile d'ailleurs, là que je suis en train de faire, c'est une toile avec des diamants spéciaux, des strass et des AB. Et bien du coup, comme je passe de l'un à l'autre, j'ai décidé de tout poser à la pince. Comme ça, au moins c'est réglé. Voilà, donc au niveau des diamants, alors sur la toile encore, pas de souci de colle, rien du tout, il pop pas. Enfin, les diamants pop pas, vous voyez, elle est nickel. Hein. Là, elle n'est pas encollée, je peux passer ma main, j'ai aucun souci de diamants qui sautent, rien du tout. Donc, vraiment, le top du top au niveau de la pose. Le contour est pailleté, donc voilà, si vous ne coupez pas vos toiles, ça fait quelque chose de joli. Au niveau de la colle, je vous montre parce que moi, je vais les couper, vous voyez, ça dépasse d'un demi-centimètre. Donc, moi, ça a pris des petites peluches, des pulls, etc. J'ai pas pris l'habitude de mettre de washi pour l'instant, je changerai peut-être d'avis, mais bon, comme je coupe mes toiles. Ben, ça me fait économiser du washi pour d'autres choses. Les diamants arrivaient en sachet zip. Donc ça, c'était super top aussi. Ils étaient classés dans l'ordre et ils avaient les numéros hein, à chaque fois, le numéro de la couleur. Donc c'était super facile à retrouver. Et ben, je vais vous montrer. Alors attendez, on va essayer de prendre les AB à part. Voilà. Ça, c'est des AB. Voilà ce que j'ai. Donc je suis censée en avoir 10, 4. 5, 6, où sont mes autres AB? Là, 7, 8, ok, où sont mes AB? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, ce sont des normaux. Alors oui, ça, attendez, hein, je vais chercher les AB après. Là, j'en ai encore un. 8. 20 ben mince, je ne les ai pas laissés dans ma pochette. Ils ont dû glisser, je vais aller vous les chercher après. Non, là, 9, il y a le rose pâle encore. Pardon pour la mise au point, il y avait ce rose pâle. Donc, vous voyez tout ce qui reste? On était extrêmement, extrêmement bien servis. C'est moi qui bim, en fait, ils sont là. Ils sont là, voilà le dixième. Et ensuite, les couleurs du fond. Donc mes quatre brins. Regardez comme on était sacrément bien servis. Franchement, on a l'impression d'avoir la toile neuve, de recevoir ça au début. Donc celui-là, il était bien, bien rempli, mais voilà. J'ai quasiment la moitié qu'il reste. Donc, pas du tout radin au niveau des diamants, au contraire. Hein. Au contraire, hyper généreux. Ça, c'était mes couleurs de l'éléphant. Celle-là aussi. Voilà. Ça, c'était mes petites couleurs de l'éléphant. Ça, c'est la couleur où il m'en reste le moins. Et il m'en fallait pas beaucoup du numéro 7. Voilà. Voilà. Ça, c'était le noir. Le noir, j'ai dû poser 30 diamants. J'en avais un peu là, et c'est tout. Voilà, et c'est des couleurs en plus magnifiques. Hein. Regardez ça, ce bleu. C'est des choses que je vais. C'est des diamants que je vais garder d'une part par leur qualité, et en plus parce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec tout ce qui me reste. Voilà. Regardez ça, c'était juste le bas du canard. Et j'ai une petite touche ici. Et quelques-uns là et là. Bah, on était sacrément bien servis. Ouais, donc franchement au niveau des diamants, c'est top. Vous avez les DMC sur la toile, donc vous pouvez les classer sans aucun souci.
Voilà, donc c'était des diamants ronds, hein. Ça vous avez dû le voir quand je vous ai zoomé, mais je ne vous l'ai pas dit. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette toile. Alors elle fait 40-40, je ne sais pas si elle va rentrer dans mon portfolio. Je vais chercher ma règle. Je crois que c'était pas une vraie 40-40 par contre. Ah si, 39,5 par 39,5, donc ouais, c'est tout à fait correct, hein. C'est borne non inclus. Donc là, elle rentrera pas dans mon portfolio, donc j'attendrai mon, enfin que je commande le plus gros, voilà. Et bah je vais couper les bords et je vais la stocker dans ma pochette en attendant. Voilà. Bah voilà pour cette vidéo. Donc je vous rappelle que moi, quand c'était en sachet zip, là j'avais 27 couleurs. Du coup, je m'étais servi de cette petite pochette là pour ranger mes sachets dedans. Donc voilà, maintenant elle est libérée. Je vais ranger mes sachets par DMC. Comme ils sont en sachet zip, ça va être hyper rapide. Et puis cette pochette, elle est libérée pour un autre DP. Et tiens, je vais peut-être mettre ça en sachet zip et les mettre dedans. Comme ça, bah, ça fera un petit peu moins bazar sur la table. Voilà. Je vous ai tout dit sur cette toile, donc je vous remets bien sûr en barre d'infos le lien vers le site, le lien vers cette toile et mon code promo. Voilà, si ça vous intéresse, il y a plein 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 d'images magnifiques sur ce site Spell Queen, donc je vous invite à vraiment fouiller. Et je profite de cette petite vidéo pour vous annoncer quelque chose. Vous avez peut-être vu dans le titre et sur la miniature que j'avais une grande annonce à vous faire. C'est que donc vous aurez la suite la semaine prochaine, mais la première partie, c'est qu'en fait, j'ai demandé à ma petite Laure si ça lui disait d'ouvrir un groupe Facebook basé sur le diamond painting. Voilà, c'était mon rêve depuis longtemps. J'avais très très envie d'ouvrir un groupe. Je voulais pas le faire toute seule. Donc Laure a accepté. Et on a aussi intégré en administratrice. Ma petite Sophie, voilà, qu'on aime beaucoup. Et du coup, elle va nous donner un petit coup de main. Je pense qu'on aura assez de boulot pour trois. Voilà, je voulais créer un groupe vraiment de partage. Je suis sur plusieurs groupes où c'est vrai, ces derniers temps, il y a eu pas mal de compétitions dans le sens où ben, c'était un peu la compète à celui qui avait terminé sa grande toile en 3 jours chrono, voilà. Moi, c'est pas trop mon délire. Je pense que vous l'avez remarqué avec mes différentes vidéos sur la chaîne, c'est que pour moi, le but premier, c'est du partage. Je déteste la compétition, je déteste la jalousie. Pardon, j'ai encore la gorge bien prise. Donc voilà, je voulais faire un groupe où je serais sûre de trouver quelque chose, voilà, du partage, des avancées, bien sûr. Donc c'est chose faite. Donc vous verrez en barre d'infos, je vous mets le lien vers notre tout nouveau groupe. Il est tout frais, tout neuf. Il s'appelle l'univers du diamond painting. Et voilà, donc je vous invite vraiment à venir nous voir sur ce groupe et à partager ben, tout ce que vous faites en termes de diamond painting, que ce soit toile, objet, etc., etc. Vraiment tout ce que vous voulez. Les débutants sont les bienvenus, les avancés sont les bienvenus. C'est un groupe vraiment pour tout le monde, un groupe de partage. Voilà, sans prise de tête, sans méchanceté, sans moquerie. Voilà. Donc sur ce groupe, vous trouverez tout ça. On est en train de réfléchir à des petites surprises. Il y aura, je pense, des petits défis, mais pareil, des défis non prises de tête, c'est-à-dire sur des durées beaucoup plus longues, parce que bah, on peut tous avoir des imprévus, on peut tous choisir des tailles de toile plus ou moins grandes. Donc vraiment, tout sera fait pour que tout se passe dans la bonne humeur, la rigolade et la joie de partager un loisir ensemble. Voilà, donc je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. C'est l'univers du diamond painting. Je vous mets le lien direct en barre d'infos, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et hop, vous y êtes. Voilà, bah écoutez, moi je suis vraiment très très contente. C'est aussi une façon pour moi de voir ce que vous faites, parce que c'est vrai que sur YouTube, on ne peut pas poster de photos, donc à part par mail, pour les plus courageux qui m'écrivent des mails et qui prennent le temps d'envoyer leurs photos, etc. Moi, vous savez que j'adore hein, découvrir vos avancées. Donc voilà, c'est aussi un moyen pour moi plus facile,
pour moi de voir et plus facile pour vous. Voilà, vous n'avez plus qu'à poster comme sur votre profil. Voilà, c'est hyper facile pour moi de vous suivre hein, parce que j'adore suivre ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Je vous le dis toujours. Voilà, bon, sur ce, c'était une petite revue. J'ai déjà beaucoup bavardé, alors je vais vous laisser. J'espère que cette toile vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment, je me suis éclatée. Merci encore à Spell Queen de m'avoir envoyé cette toile. On commencera la plus grande, je pense, d'ici cet été ou la rentrée. Je verrai comment je la case, parce que c'est une toile dans les tons de rose et de bleu que j'ai très très envie de commencer aussi, mais j'en ai plein dans les tons de bleu, donc je vais essayer de les faire une après l'autre. Voilà, bah écoutez, on se retrouve en commentaire pour discuter de tout ça, on se retrouve sur mon tout nouveau groupe Facebook avec Laure et Sophie, et bah moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!